Bonjour tout le monde, voilà, c'est l'heure de rentrer, de remonter vers la Bretagne. Alors on quitte Hondarribia, si. Multipass. Et petite étape vers Cap Breton. Et bah il fait pas beau. C'est mouillé maintenant. On est dans un brouillard. Crachin breton. Ah bah voilà. Donc on commence à remonter. On commence à remonter. Pour se glisser entre les orages et la dépression du week-end. Enfin, ça c'est la théorie. Allez. Hola Martine, que qu'est-ce tal? Muy bien. C'est ce qu'on pourrait appeler une goutte d'eau. Phénomène que nous ne connaissions plus depuis des jours et des jours. Une goutte d'eau de pluie. Donc voilà, ambiance bretonne pour ce départ d'Espagne. Je propose de vérifier comment sont Martine et Philippe pour leur remontée. Il n'y a donc personne sur cette planète, personne. Somos un velero de 10 metros por una noche, por favor. C'est bien Philippe, tu pourras revenir. Et voici Cap Breton et Osgore, 2 heures avant la marée haute. Pas de houle, tant qu'à faire, ça vaut mieux. Ouais, ouais. Allez, commence à ouvrir. Là. Ouais, tu vises la moitié. À droite, ouvre un espace pour les gens, ouais. C'est bon, 5 mètres. Vas-y, remets-toi au centre maintenant. Ils ont glacier chez Christelle, voilà. Nous sommes partis vérifier l'estacade ancienne rive gauche. Une zone à éviter. Il n'y a plus qu'à attendre le bon créneau pour partir. Voilà, c'est aujourd'hui. Départ au petit matin à 7h, heure de la marée haute, c'est l'étal. Et donc ça va neutraliser le coef de 95 qui pousse pas mal. Plus par là. Ouais, continue. Ouais, ouais. Cool. Ouais. On commence un peu à redresser. Ouais.
continue. Survécu à la passe de Cap-Breton, maintenant il faut survivre aux missiles tirés par l'armée française un peu plus haut. Des nouvelles de notre situation dans quelques minutes. Bon, et bien donc là on a viré et on s'est fait virer de la zone de tir militaire. On espérait pouvoir se glisser et arriver à Arcachon pour la marée, mais c'est raté. On arrive au moment de l'exercice militaire, donc là on tire plein ouest, et quand on aura passé la zone de l'exercice, on pourra repartir nord, et cette fois-ci ben, ça sera La Rochelle. Donc c'est parti pour une nouvelle nuit en mer. Pétole. Pétole dans le golfe. Pétole dans le golfe. Bon, le vent est parti avec le jour et donc la nuit sera une surveillance au moteur, des cargos et des lumières, des bateaux de pêche. Avec le jour, le vent revient ainsi que quelques dauphins qui joueront avec nous par moment. C'est comment les charentes maritimes? Là, on est en train de remonter Oléron pour faire un planté de bâton et se glisser entre Ré et Oléron et aller se reposer à La Rochelle. Et ici, on vient de tomber donc sur un phénomène météo assez violent. Il y a dû avoir un BMS qu'on a dû rater avec des passages de grains et une houle très formée. Nous on en était resté à houle non significative, là ça a remué un petit peu. Donc La Rochelle, ah oui, mais ça c'est une autre histoire à suivre.